Maintenant, nous allons ajouter 2 cuillères à soupe de sucre roux, 2 tasses de sauce tomate, 2 cuillères à soupe de sauce shoyu, ketchup au goût. Vous voyez les amis? Maintenant, mélangeons le tout. Rappelez-vous les amis, je remue ici, ok? Le feu est éteint, ok? Maintenant, je vais mettre la viande ici et je vais continuer à mettre mes ingrédients. Coriandre en poudre. Je vais aussi en ajouter un peu pour le goût, vous voyez? Mettez une demi-cuillère de paprika. Voici le cumin, les amis, à goûter aussi. Si vous aimez bien, vous en mettez plus. Poivre noir et sel. Maintenant, remuons à nouveau. Mais j'en ai déjà l'eau à la bouche. C'est tellement bon. Je vais maintenant laisser cuire pendant 5 minutes. Maintenant, je vais allumer le feu, d'accord? Ma sauce est prête. Elle est excellente. C'est parfait, les amis. Maintenant, je vais éteindre le feu. Avec une autre cuillère, d'accord? Un peu plus profond. Je vais prendre un peu de cette viande et mettre ici, les amis, pour ces petits pains. Le pain est déjà rangé ici. Et je vais recouvrir tout ce pain avec la viande. Si vous n'avez jamais fait cette recette, faites-la, vous allez l'adorer. Maintenant, je vais recouvrir le tout de fromage cheddar. Je l'ai mis ici, les amis. Il y avait 6 petits pains, vous voyez? Vous pouvez en mettre plus, n'est-ce pas? En fonction de la quantité que vous voulez servir. Vous pouvez augmenter la quantité. Maintenant, ici, nous allons mettre du fromage jusqu'à ce que nous le recouvrions. Oh les amis, maintenant, je vais couvrir avec l'autre partie du pain que j'ai réservée. Je l'ai coupé au milieu. Donc, j'ai réservé cette partie qui est la partie inférieure du pain. Et je n'ai utilisé que la partie supérieure. Maintenant, je vais la mettre ici. Oh les amis, comme c'est beau! Maintenant, je viens ici avec le beurre. Oh, et je badigeonne, d'accord? Tous ces pains pour leur donner ce parfait brun doré. Maintenant, je vais mettre au four jusqu'à ce que le fromage fonde. Ensuite, je vous montrerai comment notre pain de viande est devenu. Hé, les amis, mon pain de viande est prêt. Maintenant, coupons-le ici. Je vais en prendre un ici. Pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, les amis, à quoi ça ressemble.